Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Hélène Raymond. Je suis membre du conseil d'administration du PA Développement International. Je suis l'animatrice de ces panels virtuels entrepris dans la foulée de la pandémie, entrepris dans la foulée de la fermeture des frontières et des confinements. On voulait garder le contact avec nos partenaires de terrain. On voulait continuer d'informer le public préoccupé par la situation de la coopération internationale. Alors, depuis le début de l'année 2021, on a organisé 7 panels. Alors, celui-ci, c'est le 7e. Et on a pu réunir des gens. Je vous tracerai un bilan de tout ça à la fin de l'activité aujourd'hui. À quelques heures de la conclusion de la COP26, la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tient à Glasgow, en Écosse, on a voulu aborder des aspects qui touchent la finance verte, alors que la carboneutralité, les achats de crédits carbone ont fait la manchette. On voulait voir comment des actions déjà en cours ou des actions imminentes pourraient aider à leur manière à stabiliser la situation climatique et surtout à améliorer les conditions de vie des paysans avec lesquels nous travaillons, nous intervenons. Mais avant de vous présenter nos invités d'aujourd'hui, je vous invite à accueillir Hugo Beauregard-Langelier, secrétaire général du PA Développement International. Oui, bonjour. Bonjour Hélène. Bonjour à tout le monde. Puis bienvenue dans cette discussion sur l'agriculture et la finance climatique. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour ce 7e panel de notre série 2021. En fait, on avait commencé en sachant pas vraiment ça allait être quoi la réponse, votre réponse à ces panels. Et on a eu une très grande participation tout au long de l'année, donc c'est un plaisir de vous retrouver. Je tiens aussi à saluer et à remercier nos 4 panélistes ainsi que toi-même, Hélène, pour votre présence aujourd'hui. Donc, comme tu l'as mentionné, Hélène, en marge de la COP26 qui se termine bientôt, mais aussi des journées québécoises de solidarité internationale sous le thème « Transformons le monde dès maintenant », il est clair qu'il y a urgence d'agir face au changement climatique. Mais honnêtement, il est quand même parfois difficile de se motiver pour agir quand on sait qu'une poignée d'individus et d'entreprises sur la planète sont responsables de la très grande majorité des émissions de carbone. À titre anecdotique, j'écoutais la radio l'autre matin et j'entendais que, vous savez, là, la course à l'espace là, par les quelques millionnaires, bon, ben, Jeff Bezos et ses 3 autres passagers, quand ils sont allés 10 minutes dans l'espace l'autre jour, ben, ils ont émis autant de carbone que 1 milliard des plus pauvres sur cette planète-là vont en émettre dans toute leur vie. Honnêtement, ça m'a presque, je suis presque tombé en bas de ma chaise. Et dans tout ça, je me suis dit, bon, comment qu'on fait après ça pour garder espoir? Et là, je me suis rappelé, en fait, toutes les autres luttes qu'on a eues en tant qu'humain à traverser dans les années. Et bien souvent, ça commence à petite échelle et elles prennent de l'ampleur. Et j'espère que celle-ci ne fera pas exception. Cette lutte que je dirais marathon face au changement climatique n'est pas uniquement scientifique ou technologique, mais c'est aussi une lutte d'opinion publique, une lutte de sensibilisation et de conscientisation, à la fois individuelle et collective. Et à l'échelle planétaire, quand je parlais des plus pauvres tout à l'heure, du milliard les plus pauvres, bien, on retrouve les agricultrices et les agriculteurs familiaux qui font partie de ce groupe de personnes et dont les modes de vie, les revenus et leur pérennité dans le temps sont quotidiennement impactés par cette crise-là des changements climatiques. Ça signifie aussi pour beaucoup d'entre eux une course à la résilience et à l'adaptation, et ça fait, je dirais, partie intégrante de l'approche du PADI, parce que je dirais que intrinsèquement, l'agriculture familiale, qui est au cœur de notre ADN, elle implique aussi une préservation puis un transfert des ressources naturelles qui sont nécessaires à la production pour les générations suivantes. Dans un contexte mondial où il y a encore énormément d'insécurité alimentaire, de pauvreté en milieu rural et où il y a cette urgence climatique, il est opportun de rappeler que l'agriculture familiale décèle en elle un immense potentiel en termes de solutions qui peuvent contribuer à ces grandes préoccupations planétaires. Et au Québec, comme dans les pays du Sud, on le voit et on y participe, il y a un climat qui se réchauffe, mais il y a aussi un bouillonnement des idées, des interventions. Et je pense qu'aujourd'hui, vous aurez l'opportunité d'entendre des panélistes qui vous parleront d'interventions auxquelles participe UPEDI, qu'elles soient au Sénégal, en Haïti, leur particularité est qu'elles allient des partenariats, des partenaires qui sont à la fois des organisations professionnelles agricoles, des bailleurs de fonds tels que le ministère des Relations internationales, la francophonie, ou des organisations privées telles que Éco-Tierra. Donc, ce genre d'échange-là, je pense qu'au niveau du PADI, ça nous permet à la fois de réfléchir, de faire évoluer nos pensées
et de mieux planifier nos actions, en espérant aussi que ce soit la même chose pour vous autres. Donc, merci encore pour votre participation à ce 7e panel du PADI. Puis sans plus tarder, je laisse la parole à notre panel, donc à toi, Hélène, pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Avec nous aujourd'hui, Hugo l'a mentionné, deux invités du Québec, un du Sénégal, un d'Haïti. Chacun arrive avec des perspectives différentes et on aura également droit à des descriptions d'expériences qui sont vécues sur le terrain, donc quelque chose de très concret. Je vais m'entretenir avec chacun pour ensuite passer à une période de questions et nous allons recueillir vos questions tout au long de l'activité dans la zone de clavardage et Marie-Julie Ménard va se charger, comme à l'habitude, de les synthétiser et de poser ces questions à nos invités par la suite. Alors, on entendra Walter Elisme de la région de Baptiste en Haïti qui va nous présenter le projet en cours dans sa région, un projet qui vise à la fois à développer une agriculture nourricière et une agriculture de rente, un projet dans lequel le Nord est mis à profit par le biais de rachats de crédits carbone, ce dont va nous parler plus longuement à la toute fin du panel Étienne Desmarais, qui est président-directeur général d'Ecotierra, une entreprise québécoise spécialisée en la matière. Thierno Cissé du Sénégal va nous parler d'adaptation au changement climatique, de soutien à la sécurité alimentaire et de nutrition par le biais de programmes qui sont soutenus, entre autres, par la FAO et le ministère québécois des Relations internationales et de la francophonie. Mais d'abord, un regard justement sur les actions du gouvernement du Québec, sur la position du gouvernement du Québec et du MRIF en matière de protection de la biodiversité et de changement climatique avec Rachel Lévesque. Madame Lévesque est conseillère aux enjeux de sécurité alimentaire et de diversité biologique à la direction des organisations et des forums internationaux au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Rachel Lévesque, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre microphone qu'on vous accueille. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Madame Raymond. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Alors, on aimerait ça vous connaître un petit peu mieux pour commencer. Parlez-nous de votre travail, du rôle du Québec au sein de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies. Oui, parfait. Donc, en fait, vous l'avez bien mentionné, je suis conseillère dans une direction qui s'occupe des liens avec les organisations internationales, comme la FAO, ou encore au sein des principales conventions internationales, comme la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques ou la Convention sur la diversité biologique que moi, je suis. Et vraiment, mon mandat, c'est de défendre les priorités, les intérêts du Québec, et aussi de mettre de l'avant l'expertise québécoise au sein de ces organes et d'établir des collaborations politiques ou scientifiques. Et donc, dans le cadre de la Convention, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est lié, nous, le Québec, à la Convention depuis 1992 et on est tenu ainsi de la mettre en œuvre selon nos ressources et nos compétences. On a également le secrétariat de la Convention à Montréal depuis 1996. Et ce qui est vraiment encore plus intéressant, c'est qu'on vit des années très intéressantes et importantes pour la biodiversité. On est en pleine négociation d'un prochain cadre mondial pour la nature qui va être adopté à la COP15 de la Convention sur la diversité biologique plus tard en 2022. Et donc moi, très concrètement, j'ai deux chapeaux au sein de tout ce dossier. Je vais suivre les négociations au sein de la délégation canadienne pour vraiment m'assurer que les intérêts, les positionnements, les priorités du Québec soient bien représentés, étant donné que la mise en œuvre de l'instrument va beaucoup incomber, en fait, aux gouvernements infranationaux et locaux. Et, en fait, j'ai un autre chapeau, puisqu'on coordonne aussi le comité consultatif des gouvernements infranationaux pour la biodiversité, qui est, en quelque sorte, la voie officielle pour les États fédérés au sein de la Convention. C'est notre émissaire au changement climatique, Jean Lemire, qui est en quelque sorte l'ambassadeur des États fédérés au sein des négociations internationales. Donc, on y a notre place et on intervient, on participe pour s'assurer que le rôle des provinces, entre autres, soit bien reflété au sein de la Convention. Donc, c'est ce qui résume très concrètement. Ce que vous faites professionnellement. Jean Lemire, je le précise, le biologiste explorateur avec qui on a pu découvrir les pôles par de grandes expéditions il y a quelques années. Le ministère que vous représentez représente également le gouvernement du Québec à l'international sur les enjeux climatiques. On a été témoin d'annonces, d'avancées du Québec en la matière là, depuis le début de la COP26 à Glasgow. Alors maintenant, comment décrire le rôle du MRIF au sein de tout ça?
la position du Québec. En fait, c'est un peu ça, c'est de véhiculer la position québécoise. Oui, c'est ça, vous le mentionnez bien. En fait, nous, au MRF, on est vraiment un acteur qui est neutre. Donc, notre but, c'est vraiment d'être la voix du gouvernement à l'international. Donc, on va s'assurer de bien représenter l'ensemble des positionnements et des priorités de chacun des ministères et de nos autorités. Par contre, au ministère, on a une vision internationale du Québec officielle qui a quand même des mandats clairs, en fait, de lutter contre les changements climatiques dans une perspective économique durable. Donc, comme je mentionnais un peu plus tôt, notre but, c'est de faire valoir notre savoir-faire et de pouvoir le faire contribuer très activement sur la scène internationale. En fait, on est aussi guidé par la doctrine Gérer la joie qui stipule qu'au Québec, en matière de relations internationales, selon nos compétences, bien, on est en droit d'aller les défendre directement sur la scène internationale. Donc, c'est ce qu'on fait. En biodiversité, on collabore essentiellement avec le ministère de l'Environnement, mais ce n'est pas le seul. En fait, il y a plusieurs ministères au Québec qui s'occupent des enjeux liés à la nature, donc les forêts, le municipal, le territoire, les enjeux autochtones, les ressources naturelles. Donc, ce qui est très intéressant, ce qu'on fait en ce moment, étant donné qu'on est en voie d'adopter le prochain cadre mondial pour la nature de la Convention, ici au MRF, on a initié un exercice de consultation interministérielle. Donc, on a pris les projets de cadre mondial et on est en train de consulter l'ensemble du gouvernement pour élaborer notre nouveau positionnement international en biodiversité. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Donc, pour éviter de travailler en silo, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter quelques exemples de terrain, des exemples dans lesquels des acteurs de terrain sont directement impliqués dans la question du changement climatique ou la question de la protection de la biodiversité? Oui, bien, en fait, c'est intéressant parce que les enjeux environnementaux sont vraiment transversaux à notre programmation et nos actions sur le terrain. Donc, justement, en mai dernier, on a lancé un tout nouveau programme Québec sans frontières et tous les enjeux de développement durable, incluant l'environnement, sont vraiment des priorités et sont prises en compte dans l'ensemble de la programmation. Et on a aussi toute une programmation humanitaire qui s'est développée et qui vise aussi à soutenir des initiatives pour préparer aux catastrophes. Donc, on sait qu'avec les changements climatiques, on va avoir de plus en plus à réagir aux catastrophes, mais il y a aussi beaucoup d'efforts à donner pour aller travailler en amont et augmenter la résilience des populations. Donc, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire maintenant. Et également, on a plusieurs mesures de coopération climatique internationale. Donc, on a le programme, notre mesure phare, en fait, c'est le programme de coopération climatique internationale, le PCCI, qui est géré avec le ministère de l'Environnement. Et c'est quelque chose qui a été lancé il y a plusieurs années déjà, puis on a maintenant une enveloppe d'environ 30 millions de dollars pour vraiment venir soutenir les efforts des pays francophones et des Antilles dans leur capacité d'adaptation au changement climatique. Et en fait, on fait plusieurs projets avec des acteurs québécois et leurs partenaires locaux directement dans les enjeux climatiques et de biodiversité. On a aussi beaucoup d'autres mesures de coopération climatique internationale et une qui est très chère à mon cœur, bien, c'est évidemment le projet SAGA pour une sécurité alimentaire et une agriculture adaptée qu'on a avec la FAO et avec UPADI et plusieurs autres partenaires, qui est aussi un projet très concret de comment mettre en œuvre l'accord de Paris à une échelle très, très, très locale. Et on aura Tiernou Cissé dans quelques minutes qui va nous parler concrètement de la façon dont tout ça va s'appliquer sur le terrain au Sénégal. Mais essentiellement, c'est un projet qui est lié à la sécurité alimentaire et qui veut faire en sorte que les paysans du Sahel, entre autres, réussissent à traverser cette période d'adaptation. Oui, c'est ça exactement. C'est vraiment en fait un projet qui a quatre grandes composantes. Donc, on a une composante qui est politique. On travaille directement avec les gouvernements du Sénégal et d'Haïti pour aider à faire les plans nationaux d'adaptation
qui répondent aux contributions déterminées au niveau national de l'accord de Paris, mais on a aussi une composante recherche et terrain avec des partenaires québécois et leurs partenaires locaux qui, eux, vont vraiment aller chercher des transformations sur le terrain auprès des communautés locales pour augmenter la résilience des secteurs agricoles au changement climatique. Et on a une composante de plaidoyer et de communication. Et ça, d'ailleurs, on est là-dedans cette semaine. On a beaucoup d'événements à la COP26 pour venir parler du projet SAGA et mettre de l'avant les acteurs locaux directement dans les négociations internationales. Alors, quelle allure prend la collaboration des groupes, des organismes de coopération internationale dans un projet comme SAGA? Bien, en fait, le projet SAGA est très intéressant parce qu'on est venu mettre de façon très concrète l'approche multi-acteurs qui se développe de plus en plus sur la scène internationale, mais qui peut tester jusqu'à présent. Et donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de mettre en commun plein d'expertises différentes, qu'il s'agisse du milieu de la recherche, du terrain, des organisations internationales, d'États fédérés. Et en fait, on a invité les gens à travailler en collaboration et non en compétition comme on le fait d'habitude. Et on a vu très rapidement, là, on est dans notre troisième année du projet qui va se terminer en 2022. Et on voit déjà l'effet levier que de travailler en collaboration peut avoir. Ça crée de nouveaux partenariats, ça renforce les expertises de tous et chacun. Puis je pense qu'au Québec, notre approche de solidarité internationale favorise ce type de projet multi-acteur. Et donc, c'est une belle application de comment on peut travailler concrètement avec nos partenaires au sein d'une aussi grosse organisation qui est la FAO. Oui, c'est vous qui dites au sein d'une aussi grosse organisation. Le Québec est un tout petit acteur à l'échelle internationale. Est-ce qu'on peut véritablement penser qu'on réussit par cet engagement, par ces actions, à faire bouger les choses? Mais je pense que oui, je pense que le Québec, ce qui est vraiment intéressant, en fait, lorsque si je prends l'exemple du projet SAGA, quand on a commencé à les négocier avec la FAO, on a très rapidement tenu à ce que notre approche de solidarité internationale soit le moteur du projet. Et donc, nous, au Québec, on fait nos projets du bas vers le haut. Donc, on parle vraiment des besoins des communautés locales et avec nos partenaires, on va bâtir un projet qui ensuite est appliqué. Alors que la FAO avait l'habitude majoritairement de conceptualiser un projet, de le proposer au gouvernement sénégalais ou haïtien, par exemple, et ensuite, une fois approuvé, bien là, on s'en va sur le terrain pour le mettre en œuvre. Et par la négociation de notre approche de solidarité internationale, le projet SAGA a pris cette tournure novatrice et différente qui intéresse la FAO et qui regarde le projet avec grande curiosité parce qu'ils se rendent compte que de procéder comme ça, bien, ça peut faire des résultats différents, très concrets, novateurs. Donc, on sent que l'approche québécoise qui est plus petite et limitée peut quand même avoir cet impact-là. Avoir une influence. Rachel Lévesque, vous demeurez avec nous. On va aller faire un tour au Sénégal pour entendre Eladj Thiernou-Cissé parler justement de ce projet SAGA et d'un autre projet, donc aborder sur le terrain comment tout ça va se concrétiser. Et j'invite les gens qui sont avec nous aujourd'hui, les gens qui souhaitent vous poser des questions, à le faire dans la zone de clavardage et vous serez là pour répondre par la suite. Merci. Merci Rachel. À plus tard. Alors, Eladj Thiernou-Cissé est à Dakar au Sénégal. C'est un complice de longue date du PA Développement international. Il est coordonnateur de la cellule d'appui technique au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, le CNCR. À UPA Développement international, on l'appelle Thiernou. Je pense qu'on va continuer comme ça. Bonjour. Oui, bonjour Hélène. Bonjour Thiernou. Alors SAGA, je le rappelle une autre fois, sécurité alimentaire, une agriculture adaptée. Quel est le sens concret de ce titre chez vous? De ce nom au Sénégal. J'ai lu quelque part qu'on parle d'un réchauffement estimé dans votre pays entre 3 et 6 degrés d'ici 2100, donc les perspectives ne sont pas très réjouissantes. Absolument. Merci beaucoup. Hein. Merci aussi à tous les participants. Moi, je suis le coordinateur du CNCR. Le CNCR, c'est d'abord le Mouvement paysan sénégalais. C'est l'équivalent de l'UPA au Québec,
Voilà, donc un mouvement qui réunit un réseau de 32 fédérations. Évidemment, quand on parle de sécurité alimentaire, c'est notre affaire. C'est notre affaire parce qu'en tant que mouvement paysan, nous avons comme vision de pouvoir nourrir notre pays. Et évidemment aussi que la question des changements climatiques, du réchauffement climatique est une contrainte majeure aujourd'hui. Et du coup, le projet SAGA, évidemment, signifie beaucoup de choses pour nous. C'est les stratégies que nous mettons en œuvre pour pouvoir vraiment relever le défi. Et ces stratégies, c'est des stratégies paysannes. Mais également, nous savons qu'on ne peut pas jouer seul sur cette problématique qui préoccupe notre État, mais qui préoccupe également les partenaires publics, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Évidemment, la recherche est sur la thématique. D'autres acteurs comme le Conseil agricole et rural sont également mobilisés. Mais tout ça, il faut arriver à, en tout cas, être dans une synergie parfaite pour pouvoir réussir un peu à relever le défi. Oui, est-ce donc, que le voilà, fait que, oui. Est-ce que le fait que la FAO et que des organisations comme le ministère québécois des Relations internationales et de la francophonie soient engagées dans ce projet SAGA et fassent pression auprès du gouvernement pour qu'on adopte des politiques en la matière, est-ce que ça ajoute véritablement du poids à vos actions? Mais évidemment, parce que, bon, on considère qu'ils viennent en appoint par rapport à notre combat. Parce qu'un mouvement comme le CNCR, au-delà du service qu'on offre directement à nos membres, c'est des actions également politiques en termes d'influence. Donc, tous les partenaires qui viennent épouser un peu nos orientations en termes d'accompagnement du paysan, en termes de services climatiques qu'il faut offrir, des compétences qu'il faut renforcer. Évidemment, c'est des alliés. Donc, le projet est venu quelque part consolider des actions que nous avions entamées. Qui étaient déjà en cours. Tierno, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples très concrets là, pour permettre aux gens qui nous écoutent de nous donner des exemples pour qu'on comprenne bien ce à quoi ça ressemble déjà, le réchauffement climatique? Je pense que le riz, je pense que l'arachide sont déjà passablement impactés. Oui, entre autres filières, hein, il faut dire globalement, c'est toute l'agriculture qui est impactée. À la fois, vous savez, dans notre pays, une bonne partie de l'agriculture est une agriculture sous pluie. Donc, les gens se cultivent pendant l'hivernage. Il n'y a que peut-être une portion minime de notre pays qui pratiquent l'agriculture irriguée avec des systèmes d'irrigation, donc une maîtrise plus ou moins parfaite de l'eau. Mais la majeure partie de notre, on peut dire 70% de la population agricole sénégalaise dépend des pluies. Et le réchauffement climatique, les changements climatiques nous montrent que d'un hivernage à l'autre, il y a vraiment une différence totale. Cette année, on peut avoir une pluviométrie suffisante, bien répartie dans l'espace. L'année suivante, c'est la disette totale, qui fait que vraiment les repères même que les paysans avaient en termes de prévision de l'hivernage, on les a perdus complètement. Donc, ce qui fait que vraiment, il faut nécessairement que qu'il y ait une synergie entre l'ensemble des acteurs pour pouvoir relever le défi. Et les conséquences également par rapport à ce réchauffement, on connaît depuis plusieurs années une dégradation sévère des ressources, à commencer par la ressource terre, donc qui est en tout cas la base la plus essentielle en termes de production, avec vraiment la désertification aussi qu'on on constate, et tout ça, c'est des éléments liés au réchauffement climatique, au changement climatique. Oui, voilà. Alors on voit, Julie projette des photos qui viennent de chez vous, du CNCR, au sujet du Club de santé des sols. Donc on voit cette terre totalement asséchée, on la voit dans un état nettement meilleur. Voulez-vous commenter un peu ce qu'on voit, s'il vous plaît, Tierno?
C'est ben, le projet, ça c'est le projet d'Écalsouf, oui. Voilà, exactement. C'est le projet d'Écalsouf où vraiment on collabore avec nos associations de base pour vraiment relever le défi en termes de, d'amélioration de la fertilité des sols. Et l'approche est une approche communautaire qui permet à la communauté de faire un portrait, en tout cas de la situation environnementale. Et à partir du portrait, des clubs santé des sols sont mis en place avec ce qu'on peut appeler des champs écoles qui permettent avec la recherche scientifique aussi de pouvoir analyser le sol. Donc, c'est des prélèvements, la première photo. Et ensuite, à partir des prélèvements, on a une analyse de la qualité des sols pour connaître un peu quel est l'apport en nutriments qu'il faut ajouter, technique qui est développée également en termes de... Tierno, on vous perd un peu, je vais demander de fermer votre caméra. Oui. Pouvez-vous fermer votre caméra, s'il vous plaît, parce que ça coupe. Alors, avec le son, on devrait vous entendre un peu mieux si on a que le son. Est-ce qu'on a perdu Tierno? Allô? Allô? Voulez-vous fermer votre caméra, Tierno? Oui, nous vous entendons. Continuez. Ah, Tierno Cissé, au Sénégal. Oh, là, on a perdu la communication. Alors, écoutez, on va essayer de le rattraper et poursuivre cette entrevue, cet entretien un petit peu plus tard. Il parlait du club de santé des sols et on aimerait bien l'entendre au sujet du projet SAGA. On va croiser les doigts, mais maintenant, on va aller vers une valeur sûre parce que c'est un enregistrement qu'on va vous présenter. Walter Ellis-Smith avec nous. Il va répondre à vos questions à la toute fin de l'activité. Il est de l'Union des coopératives cafetières de Baptiste-Lucocab en Haïti. On a pu enregistrer cet entretien alors qu'il séjournait aux États-Unis il y a quelques semaines. Il vit et travaille à Baptiste, que l'on reconnaît comme étant le grenier du plateau central d'Haïti. Le projet qu'il représente regroupe 59 paysans, dont 10 femmes, et touche plus de 200 personnes. C'est quand on tient compte de toutes les familles. C'est probablement même un peu plus de gens que ça. En ce moment, on y produit des aliments à consommer, mais on espère le plus rapidement possible obtenir les revenus des plantations de café. On a affaire, comme je le disais au début, à des cultures vivrières et à une culture de rente. La situation dramatique que vit Haïti créer des remous, des problèmes. J'ai parlé à Walter alors que c'était et c'est toujours la période de récolte du café. Donc, il faut comprendre que les grains sont reçus et traités sur place. On va laver, dépulper, sécher, mais les choses se compliquent à l'étape suivante quand il faut se rendre à Port-au-Prince pour l'ensachage et l'expédition. La détermination est là, vous allez l'entendre. Walter insiste pour dire qu'il faut produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons, je le cite dans ses mots, en même temps qu'il dit qu'il est urgent de réduire la dépendance au pétrole. Voici l'entretien que Walter Ellis m'a accordé. Walter Ellis, bienvenue avec nous. Bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Julie. Et je tiens à saluer en fait tous les partenaires au niveau de IPADI. Et je salue également tous les producteurs et productrices de café au niveau des Baptistes. Pourquoi pas tous ceux et toutes celles qui ont à écouter en fait cette entrevue. Oui. Walter, on vous a avec nous, on est choyé, on est content de savoir qu'on a une connexion Internet qui, croyons-nous, va tenir le coup. Mais il faut commencer avec des nouvelles d'Haïti. Parlez-nous un peu des échos que vous avez de ce qui se passe là-bas en ce moment. Bon, en fait, je l'ai fait à Haïti depuis samedi 16. Et le même jour, j'ai appris, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai appris qu'il y a eu des cas d'enlèvement, surtout 16 Américains et un Canadien. Et bien d'autres également, en fait, les Haïtiens qui sont enlevés. Bon, c'est un phénomène donc, qu'on a connu il y a longtemps ça en Haïti. Et je crois que les Haïtiens ont d'abord du souffle à cette situation, puisque même si
par exemple, moi-même, je ne vis pas au niveau du Port-au-Prince, je vis à la campagne, dans un milieu très reculé, OK? Mais la situation qui passe au niveau de la capitale, particulièrement à Port-au-Prince, dans la zone métropolitaine, ça nous affecte négativement parce que, et vous savez, Haïti est un pays où on a tout concentré au niveau du Port-au-Prince, c'est la capitale intellectuelle, la capitale économique, la capitale politique, tout ça, etc. Donc, tout ce qu'on a, on a à régler, il faut quand même que quelque part descendre à Port-au-Prince pour les régler. Donc, c'est-à-dire que Port-au-Prince, par exemple, les provinces représentent une sorte de caisse de résonance par rapport avec Port-au-Prince. Ça veut dire que chaque fois il y a une situation d'étendue qui se passe au niveau de Port-au-Prince, ça affecte en quelque sorte les autres les zones reculées au niveau d'Haïti. Même si, pas directement, même si et sécuritairement, mais ça nous affecte, par exemple, le prix. Par exemple, aujourd'hui, donc, on ne peut pas. Il y a une sorte de raté, c'est pas parce qu'il n'y a pas de gaz okay, qui sont stockés au niveau de Port-au-Prince, mais pour la distribution, c'est un petit peu difficile parce que les gangs armés ont contrôlé justement ces zones-là et c'est à leur guise, donc pour que les chauffeurs puissent se déplacer pour aller distribuer en fait les gaz dans les villes de Port-au-Prince. Donc voilà la situation à laquelle nous sommes pris en Haïti et ça nous guette considérablement et on en a marre. Oui, oui, tout le monde est épuisé, sans doute. Bien. Emmenez-nous sur le terrain en images avec vos mots, Walter, pour nous décrire ce projet agroforestier, pour nous dire à quoi ça ressemble exactement. Bon, le projet d'abord... Avant de répondre à cette question, donc je veux situer Baptiste. Puisque le projet, en fait, se déroule à Baptiste. Bon, Baptiste, c'est une commune, OK? Cette zone-là est élevée au rang de commune, c'est en 2015. Cette commune-là est dominée par un relief, OK? Par un relief et très accidenté. Donc, elle est limitrophe à la République dominicaine. OK? Limitrophe à la République dominicaine et par un triangle également constitué de Belader, limitrophe à la République dominicaine et à l'est, situé dans un triangle constitué de Belader au nord, Las Caobas à l'ouest et commune de Savanette au sud. Donc, nous sommes situés dans les hauteurs entre 800 et 1600 mètres d'altitude. OK? Et du point de vue topographique, donc elle est dominée par un relief très accidenté et d'une succession de mônes et abruptes, donc et des affleurements et très fréquents, c'est-à-dire que des ravines sèches. OK? Et c'est ça et Baptiste. Et le projet maintenant. Donc, on peut imaginer qu'il y a des choses un peu complexes en raison de la nature même du relief. Planter, reboiser dans un secteur pareil, ça oblige à tenir le sol, ça oblige à retenir le sol. C'est pourquoi je crois que le programme carbonite, c'est tout à fait nouvelle. C'est une nouvelle façon de faire par rapport avec ce que nous avons comme d'habitude dans les pratiques, dans nos pratiques culturelles. Donc, c'est tout à fait une innovation. C'est une nouveauté. OK? C'est une nouvelle façon de faire, autrement dit. Donc, le programme, c'est vrai qu'on a toujours gardé, en fait, le système jardin créole. C'est-à-dire que un système agroforesterie à base de café. Mais ce qui est différent, c'est que maintenant, on a une équipe. On a une équipe qui est mise en place. Et on a fait, en quelque sorte, les gens qui sont sélectionnés pour participer à ce programme, il y a toute une formation. Il y a toute une formation par rapport avec, puisqu'on parle de changement climatique,
puisqu'on parle de la façon que en fait, l'environnement se dégrade et les effets en fait, que ça a sur la vie humaine, en quelque sorte. Donc, moi, je pense que c'est une nouveauté. Et on a fait ça à trois niveaux. Par exemple, en fait, le système que nous sommes en train de mettre en place. Donc, il y a les arbres. Les arbres forestiers, ce qu'on appelle et essence forestière, c'est-à-dire que il y a des arbres forestiers, il y a des arbres et arbustifs, c'est-à-dire que par exemple on a les arbres forestiers, c'est-à-dire que c'est des arbres qui ont en moyenne 15 mètres de hauteur et même plus, et il y a les autres, c'est entre 6 et 15, et il y a les strates herbacées en quelque sorte, qui les bananiers, les autres arbres qui servent justement pour renforcer la sécurité alimentaire des gens. Donc, c'est voilà. Voilà. Donc des cultures justement. De rente, des cultures qui vont rapporter. Justement, il y a des cultures vivrières. Justement, il y a des cultures de rente, donc qui vont avoir un impact économique, ok, économique. Et il y a les cultures vivrières, donc pour l'alimentation des familles. Oui. La captation du carbone, là, des projets carboneutres, ce sont des projets, c'est un concept qui est difficile à imaginer pour bon nombre de personnes. Comment est-ce que vous présentez le projet aux paysans avec qui vous travaillez? Comment est-ce que vous leur expliquez ce concept de carboneutralité, Walter? Et je crois que pour le moment, en fait, tout, même si les gens, c'est vrai que ils n'ont pas une connaissance scientifique, ok, mais ils ont pu constater le changement, les effets du changement climatique, ok. Par exemple, même c'est au niveau de nos pratiques culturelles. Par exemple, il y a eu dans un certain temps un calendrier culturel, c'est-à-dire que à chaque période, il faut commencer la plantation à tel moment et on va commencer à récolter tel moment, ok, en fonction de tel type de culture. Mais aujourd'hui, donc il y a une sorte de dérèglement climatique qui impacte justement et sur la pratique, le calendrier culturel et la pratique culturelle. Donc ça, c'est un constat et tout le monde le constate également. Maintenant, ils ont le fait qu'ils ont constaté qu'il y a un sorte de changement au niveau du climat, eh bien, avec facilité, ce que nous les expliquons, par exemple, il y a les dioxines, voilà qu'est-ce qui fait ce changement, ok, c'est le dioxyde de carbone qui est un gaz et qui a un effet sur l'environnement, ok, et qui fait que on a ces effets-là. Maintenant, comment pour combattre ça? Eh bien, étant donné qu'il y a eu auparavant une sorte d'abattage d'arbres, de reboisement, ok, on a expliqué aux gens. Aujourd'hui, il est important qu'on recommence à replanter, parce que les arbres, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de dioxyde de carbone. Et en captant le dioxyde de carbone, l'arbre garde le carbone et libère l'oxygène. C'est ce que nous avons besoin, nous autres. Okay? Ce que nous avons besoin, non seulement pour respirer. Et aujourd'hui, ils ont pu constater, par exemple, au niveau d'Haïti et surtout dans des zones des pays moins avancés, ou bien des pays et carbone ou tiers-monde. Donc, il y a des effets, le changement climatique a des effets sur la santé des gens. Ouais, sur la santé des gens. Il y a certaines maladies, par exemple, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans de cela, eh bien, que les gens ne connaissaient pas. Mais aujourd'hui, donc, c'est comme une monnaie courante. Voilà. Alors, vous êtes un excellent vulgarisateur. Justement, nous les expliquons la situation, les effets du changement climatique. Et maintenant, avec ce que nous sommes en train de faire là, par exemple,
et le système que nous sommes en train de mettre en place. Et surtout, nous avons choisi des terres qui étaient dénudées. OK? Le sol, il n'y a eu pas d'arbres. OK? En majeure partie. Eh bien, nous sommes en train de remblaver certaines superficies. Et le système qui est mis en place, ça va avoir un impact considérable, non seulement sur le rendement, OK, sur le rendement de à l'hectare, mais ça va augmenter également et la production qui va impacter directement les revenus des producteurs, parce que ça va augmenter les revenus des producteurs. Ça, c'est l'aspect économique. Et il ne faut pas oublier, par exemple, il y a un proverbe dominicain, si on ne plante pas les arbres au niveau des montagnes, des mondes, eh bien, les plaines n'auront pas d'eau. OK? Maintenant, or bâtisse constitue une sorte de réserve, une sorte de château d'eau. OK? C'est un réservoir d'eau, bâtisse. Maintenant, le fait qu'on avait déboisé bâtisse, eh bien, ça fait qu'il y a, par exemple, l'arrondissement même de Lascaubas. Par exemple, ça affecte Lascaubas en eau, ça affecte Belader en eau, ça affecte Savanette et une partie en République dominicaine en eau. Ça a affecté. Maintenant, ce que nous sommes en train de faire, ça va avoir un impact. Par exemple, le fait qu'on a planté d'arbres, OK? Et il y a le café, les gens ne vont pas justement couper les arbres puisqu'ils savent qu'il y a un intérêt parce que à la fin ou bien quelques années, on va vendre le carbone séquestré par les arbres. Voilà, okay. Voilà. Ça, Walter, c'est important. Walter, le temps file. Dites-moi si c'est le genre de projet où, en même temps qu'on plante des arbres, on sème de l'espoir. Oui, justement, on sème de l'espoir. Parce que, par exemple, aujourd'hui, il y a certains, quand je récolte dans mes parcelles, il y a certains fruits que j'ai récoltés, mais c'était pas moi, en fait, qui ces arbres-là, c'est pas moi qui les avais plantés. OK? Maintenant, quand nous plantons aujourd'hui des arbres qui peuvent avoir 22 ans, 20 ans, 24 ans, 32 ans, OK, comme cycle de vie, et qui peuvent aller au-delà de cette date-là. Donc, c'est pour les générations à venir. OK. Et aujourd'hui, je dis ça met la confiance et l'espoir également, parce que il y a une catégorie de gens qui n'ont pas encore participé, qui n'ont pas encore choisi, parce que vous savez que nos moyens sont limités. Mais il y a tout un intérêt quand les gens voient comment la mise en place de ces pastels-là et ce que nous donnons comme information, OK? Ce que nous conseillons les gens, c'est comme si on a rééduqué les gens sur la façon de faire. Maintenant, il y a un intérêt qui est manifesté au niveau des autres personnes, des autres producteurs, qu'ils soient membres UCOCAB ou pas, OK, à faire pareil parce qu'ils pensent que c'est quelque chose vraiment intéressant et le fait qu'ils ont constaté les effets qu'ils ont subis en quelque sorte par rapport avec le changement climatique. Walter Elismé, c'était un plaisir de vous entendre aujourd'hui. Je sais qu'entre cet enregistrement et la diffusion du panel, vous allez retourner en Haïti. Alors, je vous souhaite un retour en toute sécurité à Baptiste. Je précise que vous serez là à l'instant pour répondre aux questions de l'auditoire une fois qu'on aura diffusé cet entretien. Alors, je vous remercie infiniment, Walter, et bonne chance avec la suite de ce projet. C'est à moi de vous remercier. Alors voilà, Walter est avec nous aujourd'hui, on va le revoir tout à l'heure. Il y a une question qui vient de lui être posée. Continuez d'acheminer vos questions dans la zone de clavardage, mais si vous voulez, avant de passer à la période de questions générales, on va retourner faire un tour au Sénégal. On va aussi entendre Étienne Desmarais d'Éco-Tierra dans quelques instants, mais avant, je vais demander à Tierno Cissé à Dakar de remettre son microphone et sa caméra en fonction. Donc, Tierno,
On a parlé de ces projets, de l'impact de toute cette action sur les gouvernements. Vous étiez à parler du projet Décale-Souffle en montrant un peu ce à quoi ça peut ressembler. Avant, je veux absolument qu'on parle du projet Saga. Alors, dites-nous simplement, rapidement, pour Décale-Souffle, où en sont les clubs de santé des sols? Bon, il faut dire que les clubs de santé des sols sont bien avancés parce que vraiment, c'est des approches qu'on a copiées de chez vous, hein, mais qui sont très utiles par rapport à leur utilité. Notamment la possibilité de rassembler des paysans, de les mettre en contact avec des experts. Donc, et à partir du travail qu'on élabore ensemble, améliorer les capacités, les façons de faire, tout en prenant en compte le savoir-faire local. Donc, c'est vraiment une approche intéressante qui, aujourd'hui, donne des résultats et des satisfactions. Oui. Ah, ben tant mieux. Voyons maintenant du côté du projet Saga. On parle de sécurité alimentaire, on parle d'adaptation, on parle de semences adaptées. Où est-ce que ça en est, tout ça? Dites-nous un petit peu sur le terrain, concrètement, comment ça va se passer. Bon, nous sommes en partenariat avec des membres de notre réseau. Voilà, donc nous sommes dans la région de Djourbel, dans la région de Kaolack également, et dans la région de Thiès, donc qui sont tous un peu dans ce qu'on appelle le bassin archidier. Donc, avec ces organisations, vraiment, c'est des actions d'analyse des sols, voilà, pour que les paysans puissent maîtriser mieux un peu la composition des sols, comprendre mieux c'est quoi un sol fertile, c'est comment également en termes d'approche, en plus de ce qu'elles savaient déjà, avec un peu les analyses des laboratoires, mieux cerner la composition du sol, qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'amendement organique pour vraiment arriver à un sol fertile qui peut vraiment garantir les résultats que nous espérons. Qui va retenir l'eau aussi, ouais, c'est ça. Voilà, qui va retenir l'eau, qui va en tout cas assurer une bonne fertilité et permettre d'améliorer la rentabilité, en tout cas les rendements des terres. Mais tout ça dans un processus communautaire, qui permet vraiment aux organisations paysannes d'être au centre avec des sessions de renforcement de capacité qui sont réalisées dans ce qu'on peut appeler des champs écoles, parce que c'est des parcelles agricoles également qui sont identifiées et des producteurs qui acceptent vraiment d'offrir l'occasion à toute leur communauté de venir apprendre des pratiques, des bonnes pratiques agricoles au niveau de leur parcelle, et tout ça permet vraiment de créer une dynamique au niveau local et qui peut être même copiée par d'autres paysans en termes de bonnes pratiques. J'ai lu un peu sur le projet. Oui, c'est ça. J'ai lu un petit peu sur le projet, Thierno. On parle de collecte de données, ce que vous venez de nous dire. On parle de preuves scientifiques. Est-ce qu'il y a une place qui est faite au savoir traditionnel? Mais tout à fait, parce que tout ce processus-là, en réalité, c'est porté par les organisations paysannes. Donc, la recherche vient en appoint. Donc, c'est une collaboration qui permet à la fois de croiser le savoir paysan, le savoir des paysans, mais également les connaissances scientifiques. Et tout ce qui est décidé également en termes de collecte d'informations prend en compte donc, les anciennes pratiques, les pratiques améliorées des paysans, mais aussi un peu tout ce qui est scientifiquement validé. Oui. Et donc, c'est dans ce sens que vraiment, c'est une collaboration parfaite entre les paysans et les scientifiques. Et là, Thierno, ça nous donne une bonne idée du rôle du CNCR, et ce sera ma dernière question. On va passer à Étienne Desmarais par la suite. Mais c'est là véritablement qu'on voit à quel point vous travaillez d'une part auprès des gouvernements, des acteurs, de concert avec des grandes organisations paysannes comme l'Europa, par exemple, et comment vous intervenez également directement sur le terrain, auprès des organisations paysannes. Ouais.
Absolument. Bon, nous sommes un mouvement qui est né de la base. Hein. C'est les associations villageoises qui se sont fédérées jusqu'à constituer un mouvement national. Donc, du coup, à la fois, nos priorités, c'est comment rendre des services à nos membres. Donc, en apportant des opportunités de renforcement de capacité, en consolidant ce qu'elles sont en train de faire. Mais nous savons également que les politiques publiques ont une importance capitale. C'est vraiment les orientations qui permettent de dire dans l'agriculture quelles sont les options qui sont retenues. Et sur ça, on ne peut pas être absent. Nous portons la voix des paysans au niveau national et, comme vous l'avez dit également, le CNCR a impulsé avec ses pairs dans la région un mouvement régional qu'on a appelé le Réseau des organisations paysannes et producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, qui est un peu le répondant au niveau des institutions régionales que sont la CDAO et l'UEMOA. Voilà. Merci, merci Thierno. Alors, vous restez là. On a complété cette partie de l'entretien et s'il y a des gens qui ont des questions pour vous, on pourra les poser par la suite. Et là, je vais inviter Étienne Desmarais à ouvrir son micro et sa caméra. Étienne Desmarais, qui est cofondateur d'EcoTierra, une entreprise de Sherbrooke, qui a vu le jour il y a 10 ans, en 2011, pour, entre autres, vendre des crédits carbone liés à des projets agroforestiers, mais c'est plus complexe que ça. Bonjour, Étienne. Bonjour, enchanté. Bonjour. Alors, vous connaissez le projet, vous connaissez Walter probablement, ou en tout cas ce projet à Baptiste, vous êtes au fait de tout ça. Mm-hmm. Alors, une première réaction après ce que vous venez d'entendre sur la situation en Haïti. Bah, c'est évidemment toujours, comment je dirais, décevant de constater le besoin d'adaptation au changement climatique parce que bon, c'est un peu reconnaître qu'on a perdu la bataille pour empêcher les changements climatiques, qu'on est rendu à l'adaptation. C'est quelque chose qu'on vit dans l'ensemble des projets. C'est évidemment un défi énorme, le reboisement. Je pense que Baptiste, bon, moi-même, je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais pour les photos que j'en ai vues, pour les commentaires avec des collègues, mais c'est quand même encore une zone d'Haïti où il y a quand même plus d'arbres qu'ailleurs. Il faut étendre, il faut agrandir. Les systèmes agroforestiers, c'est évidemment, nous aussi, on est porteurs de ça à 200%, donc c'est évidemment toute une solution, spécialement dans le cadre haïtien. Oui, tout un défi. Oui, c'est souvent, un énorme c'est souvent défi. Tout un défi, oui. Comment ça naît, EcoTierra, en 2011? Ben, EcoTierra, l'évolution d'un organisme non lucratif qui existait déjà depuis une dizaine d'années, qui était, pourrait simplifier en disant, un incubateur de coopératives. Donc, on accompagnait des communautés de producteurs, essentiellement le café, le cacao, le sucre, en fait, les petites productions, pour créer des coopératives, accéder à des marchés, aux certifications, au financement. Donc, on a fait ça comme équipe une dizaine d'années. Et puis, par la suite, on a voulu vraiment s'attaquer aux besoins de financement au niveau des fermes, au niveau des terres elles-mêmes, parce que plusieurs coopératives répondaient bien aux demandes du marché équitable comme coopératives, mais les producteurs eux-mêmes n'avaient pas vraiment développé leur capacité de production. Donc, le modèle d'affaires de la coopérative pour croître était tout simplement d'accepter de plus en plus de producteurs plutôt que de développer les capacités de leurs membres. Parce qu'il n'y avait pas d'accès au financement à ce moment-là. Donc, on a commencé à s'intéresser à la question comment réussir à faciliter l'accès par les coopératives à des fonds pour investir chez leurs membres ou directement chez les membres. Et la question de la finance carbone est apparue comme une des solutions, peut-être, une des approches. Donc, on a créé EcoTierra avec cette mission-là vraiment de contribuer au développement durable des communautés via un usage responsable du sol et en travaillant toujours via les coopératives. On a effectivement travaillé en finance carbone au départ. On a fait plein d'autres choses aussi. Mais c'est vraiment ce qui a fait naître EcoTierra il y a une dizaine d'années. Donc, l'idée d'accord. de... Oui. Ouais. Alors, Walter nous a bien décrit ce jeu d'échange carbone, mm-hmm. captation, plantation, mm-hmm. plantation d'arbres. Mais dans cet échange nord-sud, dans cette relation nord-sud, comment est-ce que ça se concrétise? Pouvez-vous nous présenter un exemple sur le terrain, la façon dont ça mm-hmm. se passe, ces rachats de crédit carbone? Oui, pour nous, ça commence vraiment de la base. Donc, EcoTierra est d'abord née au Pérou. Ensuite, elle est devenue canadienne. Notre équipe la plus nombreuse est toujours au Pérou, une équipe en Colombie aussi. Donc, c'est très important pour nous d'être présents sur le terrain parce que l'enjeu principal dans le type de projet comme celui de Baptiste, c'est vraiment la gouvernance, donc des entités locales qui peuvent effectivement jouer un rôle pour des grands groupes de producteurs parce qu'en finance carbone,
Il est très difficile de concevoir de petits projets. Donc, on a besoin de centaines, sinon de milliers d'hectares dans un projet pour réellement générer des crédits de carbone de qualité. Parce qu'il y a toutes sortes de crédits de carbone sur le marché, mais si on veut, si on réfléchit, si on veut avoir des crédits de carbone compatibles avec les marchés actuels et surtout ceux de demain, ben on doit utiliser des standards très rigoureux qui ont une grande complexité et qui exigent donc une base de milliers d'hectares. Alors ça, c'est tout un défi qui demande d'être sur le terrain, de comprendre les dynamiques locales, ce qui est plutôt le rôle dans ce cas-ci donc du COCAB et du PADI. Pour Haïti, nous, on est plutôt dans un aspect technique, de soutien technique au projet. Mais oui, ça passe donc par une bonne compréhension terrain, beaucoup de présence avec les producteurs. L'adaptation, c'est vraiment de tordre les méthodologies existantes pour les adapter à la réalité des petits producteurs parce qu'elles sont souvent créées et pensées pour de grandes surfaces. Donc, Écotira a appris à bien le faire. On le fait dans plusieurs projets maintenant. Mais c'est un peu le secret, de vraiment de commencer de penser par la base vers le haut. D'accord. Les écueils que vous rencontrez quand vous mettez, bon, vous parlez de la taille des projets, les autres écueils que vous rencontrez quand vous mettez en place des projets comme ceux-là? Ben, historiquement, je dirais, à venir à là, 2 ans, c'était le manque de marché. Donc, on avait énormément de difficultés à vendre les crédits de carbone, ce n'est plus le cas maintenant. En fait, la majorité des projets, nous, on travaille sur le marché volontaire, ce qui implique donc des entreprises qui font librement le choix ou des individus d'acheter des crédits de carbone pour compenser leurs émissions sans y être obligées. Et elles achètent des crédits de carbone en compensation de leurs émissions venant de projets qui eux-mêmes ne sont pas non plus forcés d'exister. Donc, ce sont des initiatives souvent privées, communautaires. Donc, les plus grandes difficultés, ben, c'était le marché, ça ne l'est plus. En fait, on a des problèmes de stock partout. Les projets n'ont pas de crédit de carbone pour l'instant. Pour réussir à développer tout ça, ben, il y a un manque de clarté, de la part des entités publiques, donc des États. En fait, beaucoup d'engagements ont été pris historiquement. Malheureusement, très peu ont été respectés. Ce qui fait que nous, en Côte-Sierra, on est aussi gestionnaire de fonds privés. Donc, on investit dans le développement de projets. Ça devient compliqué parce qu'en fait, on a besoin de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On a besoin de savoir est-ce que les États veulent garder un pourcentage de crédit de carbone pour les comptabiliser comme leurs propres impacts ou pas. Est-ce qu'ils veulent les taxer ou pas? Est-ce qu'ils nous laissent le droit de les vendre en dehors de leur pays ou pas? Est-ce qu'ils peuvent être comptabilisés dans un marché international ou pas? Et est-ce qu'on peut les vendre dans un marché volontaire ou pas? Et je vous dirais que pour l'instant, il n'y a à peu près aucun pays qui répond, ne serait-ce qu'à une de ces questions-là. Alors, la liste est longue. Est-ce que Glasgow vous donne tout de même un petit peu d'espoir? Parce que... moi, je suis positif, malgré que je peux parfois sembler le contraire. Je suis un positif résolu. Mais il y a beaucoup d'engagement. Hein? Ouais. Pour nous, il y en a toujours eu beaucoup. Très peu ont été respectés. Je vous dirais, l'ensemble des questions que je viens de vous citer, elles auraient tous dû être répondues au plus tard en décembre 2020 par les pays où on travaille, selon des engagements révisés qu'ils avaient repris là, 2-3 ans. Donc, le vrai engagement de base, c'est plutôt de l'ordre de 2012-2013 et c'est toujours pas fait aujourd'hui. Alors, pour l'instant, l'argent est là, l'expertise technique est là. Nous, on retient actuellement des dizaines de millions de dollars US pour le développement de projets en lutte au changement climatique qu'on ne peut pas déployer parce que les politiques publiques ne sont pas claires. Alors, pour moi, c'est vraiment le principal frein maintenant. Est-ce que Glasgow va régler la question? Disons que je ne miserais pas sur une solution rapide, mais il le faut quand même. L'urgence est là. Enfin, on avait besoin de clarification. Et il faut, je pense, s'éloigner du désir de la perfection. Bon, la perfection est l'ennemi du bien. Donc, il faut accepter qu'il y aura des fuites. Il faut accepter qu'il y aura des erreurs de comptage. Parce que sinon, ben, quand le système sera parfait, ben, il sera trop tard. On sera dans l'adaptation pure. On ne sera plus dans la lutte au changement climatique. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que c'est une façon pour le Nord de se donner bonne conscience, c'est-à-dire il faut réduire partout, il faut réduire ici en tout cas, mais il ne faut pas croire qu'en engageant des actions ailleurs, on peut s'empêcher de réduire ici. Qu'est-ce que vous répondez? Ben, je suis entièrement d'accord. En fait, nous, quand on vend des crédits de carbone, déjà, il y a des secteurs de l'économie, donc des industries qui ont refusé de vendre, qui une position propre à nous, mais de plus en plus généralisée. En fait, on s'assure que nos clients ont d'abord une approche de réduction parce qu'on y croit, c'est important. Mais il faut comprendre que la mathématique derrière serait bonne, même si un client ne réduisait pas ses émissions et les compensait. Parce qu'en fait, quand les crédits de carbone sont bien produits en suivant les standards des Nations unies,
Bien, la mathématique est simple. Donc, il y a un projet qui capture ou qui évite des émissions et qui permet à quelqu'un qui en fait une de la compenser, donc de l'annuler. Souvent, un projet va être moins cher, plus simple que la réduction au niveau de l'émetteur. Donc, ça peut être beaucoup plus efficace, surtout dans le domaine où nous on est, qui est l'usage du sol, donc les forêts, l'agriculture. En fait, c'est, je dirais, les producteurs agricoles ont rarement besoin de réduire leurs émissions dans le cadre des marchés régulés, donc de par les obligations de leurs États. Par contre, pour des grosses compagnies, ça peut devenir très intéressant de réduire leurs impacts, leurs empreintes en achetant des crédits carbone venant de projets forestiers ou agricoles. Et je dirais, comme planète, comme humanité, on peut y gagner parce que les projets en usage du sol ont toutes sortes de co-bénéfices au niveau biodiversité, l'eau, les paysages, le développement humain. Alors, ça peut être quand même plus intéressant, d'annuler, disons, 2000 tonnes d'émissions en faisant un projet de reboisement plutôt qu'une modification d'une fournaise ou des choses comme ça en termes d'impact global. Et la mathématique sera toujours vraie si les crédits de carbone respectent les standards internationaux, ce qui n'est pas toujours le cas, comme je vous disais. Il y a beaucoup de variabilité dans la qualité des crédits de carbone dans le marché volontaire. Alors, il y a énormément de travail à faire encore. Mm-hmm. Est-ce que vous avez senti un regain d'intérêt avec la COP26? Pour la chaque COP, on a plusieurs courriels. Ce qui est bien, il faut que les COP doivent continuer, mais c'est quand même la numéro 26 pour un enjeu, une urgence mondiale. Donc, il faut aussi prendre ça en perspective. Il y a toujours, je vous dirais, depuis 2 ans, la demande pour les crédits carbone explose. Des pans entiers de l'industrie, on pense à l'aviation avec Corsia, donc qui est un engagement libre. Les pétrolières nous approchent en disant qu'elles sont maintenant, tannées d'attendre la régulation. Donc, elles s'imposent elles-mêmes des règles parce que les États ne vont pas assez vite. En fait, ça devient un risque majeur pour plusieurs industries, l'absence de clarté, parce qu'elles savent qu'un jour, il y aura des règles et comme elles ne les connaissent pas, elles ne veulent pas se les faire imposer à court terme. Donc, tout ça crée déjà, les choses s'accélèrent, ce qui est très, très bien. Mais il faut s'assurer que ça continue, puis il faut éviter aussi de tomber dans l'autre effet pervers de confondre engagement et résultat. Donc là, pour l'instant, ça va bien. Beaucoup de pays s'engagent à la carboneutralité. Bien, historiquement, ça n'a pas été respecté, les engagements. Donc, il faut aussi, comme citoyen, comme organisme, comme entreprise, maintenant le flambeau. Oui, c'est la société civile de continuer de faire pression. Oui, oui. Avant de passer à la période de questions, Étienne, parlez-nous un petit peu de ce que ça représente sur le plan du bien-être des communautés, des projets comme ceux-là. Oui, bien nous, on maintient en fait dans l'ensemble de nos projets l'approche, comme je disais au départ, d'augmenter la capacité de production, les rendements des producteurs, tout en travaillant beaucoup sur la qualité, donc essentiellement café, cacao en noix. Consolider les coopératives. Donc, nous, on croit fortement que la coopérative, c'est un moteur de développement durable pour les communautés parce que ça doit assurer, ça n'assure pas toujours, ça doit assurer une répartition juste et équitable des revenus, des profits et une répartition aussi du pouvoir de façon démocratique. Donc, oui, on le voit dans les communautés avec lesquelles on travaille depuis maintenant parfois 20 ans, un changement assez important sur la qualité de vie des gens et issu de leur propre travail. Moi, je ne prends pas le crédit de ça loin de là, issu du fait que les gens ont planté leur café, ont planté les arbres d'ombre. En fait, avec quelques outils qu'on peut contribuer à leur apporter, les changements peuvent être très, très grands. Et le carbone devient un indicateur clair pour suivre les impacts sur le terrain, les mesurer, avoir des impacts audités et générer un flux de revenus additionnel qui ne devient pas plus important que le café, évidemment, ou que les cultures, mais qui vient consolider souvent, par exemple, des besoins en assistance technique, des besoins en gouvernance qu'avec les flux normaux là, de leurs affaires, les gens ne pourraient pas payer. Oui, et qui permet d'assurer une stabilité. C'est ça. Oui. Étienne Desmarais, vous restez là, ne touchez à rien, ni à la caméra, ni au micro. Rachel Lévesque, vous allez revenir avec nous, s'il vous plaît. Comme Thierno Cissé à Dakar et Walter en Haïti maintenant. Et Marie-Julie Ménard du PA Développement International va aussi ouvrir sa caméra. Elle a des questions de l'auditoire à vous relayer. Marie-Julie, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour une première question dédiée à Walter, j'espère que Walter, vous m'entendez bien. On aimerait avoir des exemples de services supplémentaires ou de nouveaux services que l'UCOCAB pourrait offrir à ses membres producteurs de café grâce à la vente de crédits carbone dans le futur. Oui, est-ce que vous voulez reprendre la question pour moi, s'il vous plaît? Oui, bien sûr.
On voudrait des exemples concrets de ce que l'UCOCAB peut offrir comme service supplémentaire ou de nouveaux services que l'UCOCAB peut offrir à ses membres producteurs de café grâce à la vente de crédits carbone. Et comme service, premièrement, on pense à mettre sur pied et à renforcer en quelque sorte en fait, notre boutique agricole. Et là-dedans, on va avoir une ligne de crédit, parce que c'est très difficile en Haïti, donc pour avoir accès au crédit pour leur plantation. Donc, et ça, c'est un. Et autre chose, c'est qu'il y aura en fait une équipe service conseil qu'on va mettre en place pour accompagner leurs producteurs dans en fait, les pratiques culturelles. Merci, Walter. On voulait aussi savoir, est-ce qu'il y a encore des grandes compagnies forestières qui continuent l'abattage d'arbres à grande échelle dans votre région? Je ne peux pas dire qu'il y a des grandes compagnies, mais il y a des gens qui viennent un peu partout, justement, que ce soit au niveau d'autres zones du département ou bien de la région Port-au-Prince, en fait, pour s'approvisionner en charbon de bois. En fait, qui va servir en quelque sorte de source d'énergie pour la cuisson. Et ensuite, il y a les dry cleaning en Haïti. Et ils ont jusqu'à présent, ils ont utilisé en fait le bois en fait pour mener en fait leurs activités. Donc tout ça, c'est quand même un problème. Et c'est pourquoi nous autres au niveau du FAB, c'est que nous avons fait. Et il y a eu un certain temps, on va à la mairie et au niveau de la justice des paix de Bax également pour interdire les gens viennent, OK, de loin ou de près, en fait, pour venir s'approvisionner en charbon de bois ou en bois pour aller mener leurs activités. Et ensuite, pour le moment, c'est vrai que nous n'avons pas encore de moyens en fait, pour répondre avec ce problème, mais nous commençons à sensibiliser les gens pour substituer. Par exemple, il y a beaucoup de gens au niveau des bâtisses, à partir des actes de sensibilisation que nous menons, OK, ils ont commencé à utiliser d'autres sources d'énergie que charbon de bois pour faire la cuisine. Oui. Alors, je vais en profiter, Walter, après ce que vous venez de dire, peut-être pour aller vers Rachel Lévesque et Étienne Desmarais. Mais cette question de la sensibilisation des paysans, elle est au cœur des actions de la FAO, Rachel. C'est une action de terrain, vous l'avez dit, là. C'est une approche transversale. Oui, non, exactement. Puis, en fait, je pense que le projet SAGA et les différentes actions que fait la FAO, en fait, c'est vraiment d'aller de... On parlait de la COP, justement, tout à l'heure, et des grands engagements, et c'est très, très, très macro, et ça peut être très difficile de transposer tous ces engagements, cette volonté à une échelle très locale ou concrète, et de faire le contraire, de prendre les besoins très terrain de la vie de tous les jours, puis d'aller les transposer aussi loin que dans nos engagements climatiques. Et ce que je trouve intéressant avec le projet SAGA, c'est qu'il, puisqu'il s'inscrit directement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais c'est de faire ce pont entre une échelle la plus locale possible, mais d'aller directement contribuer à un engagement au plus haut niveau international. Donc, c'est un aspect très positif du projet. Oui. Alors, Étienne, ça doit vous inspirer, ça doit résonner tout ça. Le fait de partir de la base et de faire monter au lieu de partir du haut et de descendre, c'est un peu l'action concrète des Côtes-Sierra depuis 10 ans. Oui, nous aussi, on croit énormément à ça. Je pense que c'est nécessaire parce qu'en fait, on est souvent un peu allergique au mot bénéficiaire aussi. On préfère considérer les producteurs comme des partenaires. En fait, ils sont experts sur leur géographie, dans leur culture. Ils ont l'expertise du climat. Donc, on apporte peut-être d'autres types de ressources, mais c'est vraiment l'idée d'un partenariat. Donc, oui, partir de la base, c'est essentiel. Sinon, le risque de se tromper est tellement grand. Il est trop grand, c'est ça. Marie-Julie, une autre question? Oui, merci. Peut-être la question s'adresse davantage à M. Cissé.
Comment se font vos analyses au niveau des données climatiques? Puis est-ce que ces analyses ont permis d'adapter les calendriers culturaux? Oui, merci beaucoup. En fait, effectivement, ces analyses nous permettent à la fois de particulièrement savoir quel amendement il faut apporter à la terre pour améliorer la productivité. C'est principalement ces éléments, mais dans les formations et dans les échanges également que nous avons à travers les clubs santé des sols, l'information climatique également qu'on partage avec les acteurs, donc ils parviennent à s'adapter par rapport à l'amélioration de leur calendrier culturel. Mais quand même, les analyses que nous faisons, pour l'essentiel, c'est pour améliorer la qualité des sols. C'est également des échanges autour des semences qui sont adaptées avec des variétés que nous introduisons, même si aussi on encourage les variétés qui ont été sélectionnées par les paysans. Voilà en global. Merci. Merci. Merci, Thiernou. Marie-Julie. Oui, j'en profite pour poursuivre avec M. Desmarais. Est-ce que les pays du Sud disposent des moyens techniques justement pour évaluer la valeur exacte de compensation sous forme de crédit carbone? On a une bonne présence en Amérique latine. Là, je suis sûr que oui. En Asie également, on voit plusieurs projets développés par des développeurs de projets locaux. En Afrique aussi, on a un bureau à Abidjan. Donc, on connaît quand même certains projets d'Afrique. Il y a certainement l'expertise locale, mais je connais moins moi-même d'acteurs. En Amérique latine, on en connaît plusieurs, des partenaires. Nous-mêmes, nos ingénieurs qui font la rédaction des projets, il n'y a aucun Canadien dans l'équipe. Ce ne sont que des Péruviens, des Colombiens et des Vénézuéliens. Donc, des gens qui ont été formés sur place. Les méthodologies qu'on utilise viennent du protocole de Kyoto. Ont été repris par la suite par les autres, les COP et l'accord de Paris. Donc, c'est des choses que les jeunes professionnels d'aujourd'hui ont étudié à l'université, bien souvent. Donc, un peu partout dans le monde, là, je suis profondément convaincu qu'il existe la compétence, l'expertise pour développer les projets. Merci. La prochaine question s'adresserait peut-être davantage à M. Cissé et Walter. Est-ce que vous considérez que vos organisations peuvent influencer les politiques publiques dans vos États respectifs? Je ne sais pas qui veut commencer. Ah, Walter qui se prépare à ouvrir son microphone. Ah, Thiernou? Oui, je suis là. En fait, nous, on est convaincus parce qu'on a eu déjà pas mal de résultats en termes d'influence. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la loi d'orientation agro-sylvopastorale. Et ça, c'est grâce à notre mouvement qui a, en 2003, sollicité auprès de l'État du Sénégal la définition d'une loi d'orientation agro-sylvopastorale et mené tout le plaidoyer nécessaire pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, le crédit agricole est à 7,5%. Auparavant, c'était 12%. 5%, c'est notre mouvement qui a porté le combat jusqu'à ce qu'il y ait cette diminution du taux de crédit. Ça, c'est quelques exemples. Aujourd'hui, toutes les institutions publiques et parapubliques où les paysans doivent être représentés, c'est notre mouvement qui est là-bas. Voilà, pour dire qu'on est confiant de pouvoir vraiment changer pas mal de choses dans notre pays, mais il nous faut rester mobilisés et développer des partenariats comme celles qu'on a aujourd'hui avec l'UPRD. Merci. Walter, s'il vous plaît. On a vu Walter apparaître, il est disparu. Walter en Haïti, oui. Oui, est-ce que vous pouvez ouvrir la question pour moi, s'il vous plaît? Alors, le rôle de vos organisations auprès des gouvernements, et est-ce que vous avez véritablement espoir de pouvoir influencer le cours des choses pour la suite auprès des instances gouvernementales? Hello? Oui, on vous entend. Est-ce que vous me copiez?
Vous m'entendez? Oui, OK. oui, oui, Bon, oui. étant donné que, alors, en fait, ICOCAM, c'est une fédération de caféiculteurs, mais c'est au niveau régional. Donc, nous faisons partie, en fait, d'une structure nationale qui s'appelle PNPCH, qui est plateforme nationale des producteurs de café d'Haïti, qui regroupe, en quelque sorte, plusieurs régions caféennes. Et c'est à travers, en fait, cette structure-là, ICOCAM, va mettre tout son poids, justement, pour faire un plaidoyer au niveau national pour amener les dirigeants à prendre des décisions en notre famille. Et ce n'est pas en fait une chose nouvelle, puisque nous avons l'habitude déjà en fait, de faire des plaidoyers, et soit à travers des points de presse, à travers des forums, tout ça, on a invité les autorités étatiques. Il y avait en quelque sorte des partenaires techniques et financiers, que ce soit au niveau national et international, qui nous accompagnaient dans ce type de travail. Et ça, en quelque sorte, nous a aidés à faire pression à l'État et les autorités de l'État haïtien avait pris des décisions en notre faveur et il y a 2, 3, 4 ans de ça. Parce qu'il y avait quelques conteneurs de café qui venaient de Vietnam. Et nous, on s'est dit qu'on ne voulait pas que ce qui était arrivé avec le riz de la Thibonite pour que notre café ne soit pas subi pareil. Et comme ça, on avait fait des plaidoyers et de fait, l'État a attendu notre voix et a décidé en quelque sorte, et dans notre sens. Merci, Walter. Nous pouvons les faire. Oui, merci. Marie-Julie, une question pour Rachel Lévesque. Pour terminer, ce sera la dernière question. Oui, tout à fait. Est-ce que la finance climatique, comme les crédits carbone, peuvent être des compléments au financement public au développement du MRIF ou de l'AMC, selon vous? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Moi, je ne suis pas vraiment responsable des dossiers climat, mais de bio. Oui, pardon. En fait, on se demandait si la finance climatique, un peu comme les crédits carbone, peuvent être des compléments, au financement public au développement du MRIF. Ben, écoutez, je ne veux pas répondre au nom de mes collègues qui sont vraiment spécialisés dans la question. Ce que je peux dire, c'est que, en fait, nous, en tant que finance climatique, on est, comme je le mentionnais au début, tout autant lié à, par exemple, à la Convention sur la diversité biologique ou encore à l'accord de Paris. Et c'est sûr que, par exemple, au sein de la Convention sur la diversité, qui est le dossier que je connais, dans la négociation du prochain cadre mondial, on voit que les enjeux de finance vertes sont vraiment les principaux obstacles à pouvoir adopter des cibles ambitieuses. Et je considère que, en fait, on est en train de rentrer dans un cycle au niveau multilatéral qu'on espère va s'accélérer, où ce que il y a une approche beaucoup plus intégrée qui va essayer d'inclure tous les acteurs, non seulement les parties prenantes, mais également tous les niveaux de gouvernement, mais aussi le secteur privé, la société civile. On sent que les gens veulent en faire plus. Et pour le Québec, je pense que on a développé avec les années des excellents programmes de coopération internationale qui sont basés sur notre approche de solidarité qui viennent directement répondre à ces besoins là, de financer. Mais je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir répondre spécifiquement à la question carbone. C'est loin d'être dans mes dossiers. Bien, merci beaucoup, Rachel Lévesque. Écoutez, c'est comme ça que ça va se terminer. Ces apports aujourd'hui ont été véritablement très précieux. Votre approche, vos expériences de terrain ont grandement nourri la réflexion. On vous remercie beaucoup. Et c'est comme ça que se termine aussi la série de panels de 2021. Je vous le disais au début, les panels proposés par UPA Développement International. On en a tenu 7 avec celui d'aujourd'hui. On a parlé de coopération internationale. On a parlé du pouvoir des femmes en agriculture, de l'urgence de l'adaptation au changement climatique. Il a été question de relève agricole, des systèmes alimentaires, de vente directe et de circuits courts, et enfin aujourd'hui de finances vertes.
Alors, au total, 500 personnes ont participé, dont une trentaine à la caméra pour transmettre leur savoir, transmettre leur expertise, leurs expériences de terrain. Nous avons accueilli des gens de 22 pays avec nous au fil des mois. Ces gens-là étaient sur le continent africain, en Europe, en Amérique du Sud et bien sûr ici, au Québec, au Canada. Alors, merci à tout le monde de votre participation. On souhaite poursuivre et les détails vont suivre sous peu, dès qu'on se sera penché sur une prochaine programmation. On a des idées, mais si vous avez des idées, vous, à nous transmettre pour qu'on puisse ajouter des idées nouvelles à cette liste de panels, à ces propositions de panels, mais on va lire vos commentaires et vos suggestions avec plaisir. Je pense qu'il reste quelques questions qui n'ont pas trouvé réponse dans la zone de clavardage. On va les retenir et peut-être les adresser directement à nos invités d'aujourd'hui. S'ils ont une minute, ils pourront vous répondre. Je les remercie chaleureusement, Mme Rachel Lévesque du ministère des Relations internationales et de la Francophonie au Québec, M. Thierno Cissé du Conseil national de concertation des ruraux à Dakar au Sénégal, M. Walter Ellism à l'UCOCAB, l'Union des coopératives cafetières, j'y vais par cœur, j'y vais de mémoire, à Baptiste en Haïti, et enfin, Étienne Desmarais à Sherbrooke, président-directeur général de l'organisme ECO-TIERRA. Merci tout le monde, merci chaleureusement. Bon après-midi et à bientôt. Merci.